Bonjour Monsieur Dussel, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien. Aujourd'hui on est là, je vais vous parler un petit peu des séries. On va parler de livres bien sûr, mais des séries que j'aimerais bien lire. Bon, je pense pas que je lirai avant la fin de l'année, mais les livres que j'ai envie de lire là sur le moment en série. Du coup, je vais commencer tout de suite. Je fais ça parce que j'ai un nœud là et j'arrivais pas à la voir. Maintenant j'arrive à la voir. Enfin, soit. Du coup, on va commencer tout de suite avec. On va essayer d'avoir une place. Je vais commencer. J'aimerais bien commencer Star. Nos étoiles perdues de Anne Toik. De toute façon, c'est beaucoup de nouveaux romans chez Hugo Poche. Souvent, c'est ceux-là que je prends. Du coup, j'aimerais bien commencer cette série. J'ai le tome 1 dans ma palme, mais j'ai pas les autres que j'aimerais bien me procurer. Mais j'ai pas encore commencé, du coup, je les ai pas encore pris. Ou parfois, je les trouve en moins cher. Voilà, après ceux-là, j'ai toute la série tome 1, tome 2 et tome 3 de Sergio. Qui est Baby Random 1. J'aime bien la couve. Le 2 et le 3 que j'aimerais bien me procurer aussi. Enfin, me procurer, je les ai en main, banane, de les faire. Voilà, mais c'est pas encore fait. Je ne sais plus de quoi ça parle. Par contre, tous ceux que je vais vous montrer là, je ne sais plus de quoi ça parle. Franchement, ils sont dans ma palle depuis un moment. Ou certains, elles viennent d'arriver, mais voilà. Je crois que même qu'il y en a... Il y en a deux. Ouais. Quatre que vous n'avez pas encore vu sur la chaîne. Du coup, j'aimerais bien me faire ceci. Baby Ron Grom. Voilà. Pour ceux qui ont déjà lu les livres, faites-moi un petit commentaire. Ou ceux qui, si vous l'avez dans la palme, dans votre palme, pour les lire avec moi, si vous voulez. Ce sera avec plaisir. Ici, je suis en train de finir le tome 4 de... Je ne sais plus où est mon livre. Il est par là. Et puis, soudain, j'aime. Je suis au dernier. Du coup, voilà. Après, j'aimerais bien me faire... je ne sais plus. Ça, c'est le tome 1. Parce que là, j'ai le tome 6. Me... lire ceci, il est trop beau, Contre le vent et marée de Charline Coach. Là j'ai le tome 1 et là j'ai le tome 6. J'ai eu un problème quand je les ai commandés, celui-là je pensais pas, en fait je pensais que c'était, enfin sur la couverture vous voyez il n'y a pas de tome, mais il faut le lire à l'arrière et tome il est là juste à l'arrière. Du coup, voilà, ben, j'ai le tome 1 et le tome 6. Il me faudra le tome 2 quand je commencerai celui-là. Qui me donne vraiment envie. Et c'est Nina Queen que j'avais vue. Elle en parle souvent quand elle parle de livres. Du coup, voilà, j'aimerais bien me le faire. Et ça parle de policiers. C'est un truc avec des policiers, si je me trompe pas. Voilà. Après, je voudrais bien commencer cette série aussi. Excusez-moi, qui viennent de sortir il n'y a pas très longtemps, Adopter Love, tome 1. J'ai le tome 1, mais pas le reste. Je crois que c'est en 3 tomes, si je me dis pas de bêtises. Il est beau, j'aime bien la couverture. Tout le monde en parle aussi pour le moment. Et puis, j'aime pas lire en même temps que tout le monde, en fait, voilà. Voilà. Je ne sais plus de quoi ça parle du tout. Mais j'ai pas envie de me plonger dedans. Voilà. Après, je me suis procuré je ne sais pas, c'est Easy Love de Matt. Voilà. Trop beau aussi. J'entends parler de tout le monde. Il y a plein de tomes. Je me dis pourquoi pas. Il est en poche. Je vais me le procurer en poche. Je vois qu'il y a Gabriel qui est déjà normalement en poche aussi. Ça, il faut que je regarde pour les procurer, mais en poche. Parce que j'aime bien la fente que ça fait quand vous les mettez dans la bibliothèque, ça donne trop beau. Du coup, voilà. Après, j'ai Black Friend. Celui-là, j'ai le tome 1, mais j'ai pas. Je crois que c'est en 2 tomes.
que je voudrais bien me procurer le deuxième quand je le trouverai au magasin. Voilà, que j'aimerais bien me faire. Après, là, je crois que j'ai les deux. Je sais même pas s'il n'y en a pas troisième. Tay Play, tome 1 et tome 2. Catch. Voilà, ils sont trop beaux. Je sais pas s'il y en a deux ou trois. Voilà, ben. Je sais que ça parle de sport. Et tout ce que je sais. De baseball. Et celui-là, c'est de. Ah ben, aussi de baseball. De baseball. Voilà, je savais plus c'était quoi comme sport. Je traîne pas parce que j'ai ma batterie qui clignote. Et ça m'ennuie parce qu'elle était pleine quand je l'ai allumée la caméra. Ça m'embête. Alors, les deux livres que vous avez pas encore vus. Celui-ci, qui est la sélection. Le tome 4 que je me suis procuré dans la boîte à livres. Et je me suis acheté le tome 1 en poche aussi. Voilà, j'ai le tome 1 et le tome 4. Il me manque le 2 et le 3. Voilà, pour faire la série complète. Que j'ai envie de commencer, tout le monde en parle. C'est un livre qui a été son petit macaron. Du coup, j'aimerais bien. En plus, ça donne bien les livres à côté. Ça me tente. Maintenant, ça me change de mon registre, hein, parce que vous avez vu jusque maintenant, c'est toujours un peu du new roman. Et là, je change un petit peu. Encore une fois, je rechange de registre. Je me suis procuré le tome 1 et le tome 2, les McCoy, le tome 1, à l'ombre et des chardons. Le tome 2, les McCoy ou... ouvert et les tombeaux. Voilà. Je vois pas avec le reflet de la lumière. Parce qu'en plus, la lumière est pas très belle aujourd'hui. Du coup, j'ai envie de me faire cela. Je crois que quand j'aurai fini mon livre, c'est par celui-là que j'ai envie de commencer. Je ne sais pas. En fait, j'hésite entre ça et d'autres que je vais vous montrer après. Mais je crois que ceux qui me suivent sur Instagram, mon lien est dans la barre d'infos, pourraient aller choisir ma prochaine lecture par exemple. Après, j'ai le tome 1 et le tome 2 aussi. Je crois qu'il y en a deux, encore un. Ceci, j'ai le tome 1 et le tome 2. Ceux-là, ils vont, je pense que il faudrait que je ne me traîne pas à les lire. C'est 150 pages, tome 1 et tome 2. Il faudrait bien que je les fasse plus vite possible. Après, j'ai le tome 1 et le tome 2 que vous allez sûrement bientôt voir. Enfin, quand j'aurai mis cette vidéo aussi, vous l'aurez vu. Mais je me suis procuré ces deux-ci. Tome 1 et tome 2, Brina. Et il me manque le tome 3. Voilà. Dites-moi en commentaire lequel que je dois lire en premier, par exemple, ou celui qui vous donne envie de lire avec moi. Après, en changeant de registre, je me suis procuré ça à un petit prix. Je crois que je vous l'ai montré dans mes livres achetés d'occasion. Donne-moi ton cœur de Sarah Wolf au Picagi. Voilà, j'ai envie de me le... Je l'avais entendu parler, tout le monde en parle beaucoup. Le tome 2 est sorti il y a quelques... Ouais, non, le mois passé. C'est le mois de... Attendez. Au mois d'août, il est sorti, c'est mai? Non, en juin. Juin-juillet qu'il est sorti. Du coup, je voudrais bien me procurer le tome 2. Après, voilà ce que je voudrais lire avec les Magret. C'est je le dis tout le temps et j'arrive plus à le dire aujourd'hui. Le tome 1, il est trop beau. Il paraît que ça parle un petit peu de romance. C'est une romance, bien sûr. Mais Enche et Gray et Shay se détend depuis toujours, ça fait des années qu'il évite, des années qu'il échange ni un regard ni un mot,
les changements. Un jour où leur propose un défi apparaît stupide, fait en sorte que Jay tombe amoureux de Land. Avant que lui me tombe amoureux d'elle. De toute façon, il y a un petit truc de romance. Enfin, c'est les deux qui me... Enfin, c'est ça que j'ai envie de lire bientôt. Ou cela. Voilà, je les ai dans la romance. Je crois que je vais bientôt les mettre sur Instagram pour que vous me choisissiez ma lecture du prochain. Comme ça, je saurai quel commencer. Et moi, je bouffe du papier. Bec. Voilà. Dites-moi en commentaire s'il y a des livres que vous avez lus ou ceux que vous avez envie de lire ou ceux que vous avez envie de parler avec moi ou tout ce que vous voulez. J'ai Instagram en barre d'infos. Sur ce, moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde. Bye bye. Prenez soin de tous ceux que vous aimez.